Bonjour tout le monde et re-bienvenue sur ma chaîne. J'ai été absente là, pour un bon bout. Je m'en excuse, mais comme à chaque été, je travaille un peu trop et j'ai délaissé YouTube malheureusement, mais je suis de retour en force aujourd'hui avec ma routine du soir complète pour vous. Donc, bon visionnement! Pour commencer, évidemment, je me démaquille. Donc, mon produit démaquillant est le Chloran à l'eau de bleuet. Deuxième étape, c'est le nettoyage complet, donc suivez-moi! Donc voilà l'étape du nettoyage. J'ai fait un super achat dernièrement, la brosse Clinsonic, donc j'utilise le quotidiennement à tous les jours avec mon nettoyant. Voici comment je fais. Vous voyez, ça enlève le maquillage restant. Je me suis pas bien maquillée tantôt, mais pourtant, la brosse est orange. Donc, c'est signe que c'était quand même du maquillage, même si je me démaquille super bien. Voilà l'importance de prendre une brosse nettoyante là, pour vraiment venir tout enlever et éviter les boutons, et tous les problèmes de peau. Voilà. Donc, les nettoyants que j'ai achetés dernièrement, c'est le Alpha Beta de Dr. Donny Gross. J'adore le nettoyant vraiment. Il vient super resserrer les pores de peau et donner un teint éclatant. Donc, moi je trouve que c'est un bon produit si jamais vous voulez l'essayer. Donc, l'étape de nettoyage est maintenant terminée. Je vais maintenant tonifier ma peau avec mon vraiment nouvel achat que j'ai acheté aujourd'hui même. Donc on va le tester ensemble. Il s'agit en fait là d'une lotion tonique de Ren Clean Skincare. Donc j'ai décidé d'acheter le produit pour donner une petite chance. Peut-être que je vais aimer, peut-être pas, on verra. Donc je vais juste venir tonifier ma peau avant de venir... J'aime ça, j'ai l'impression que ça va vraiment respirer mes pores de peau. Je suis peut-être juste folle, c'est peut-être du placebo. Un effet placebo, mais je sens que ça picote. Donc clairement, ça fait quelque chose. Le résultat que ça va donner, j'en ai aucune idée. Je pourrais vous en reparler dans les prochaines semaines. Next step! Ça va être de venir vraiment hydrater ma peau avec ce super spray rose hibiscus à l'eau de coco. Donc c'est une brume hydratante là, pour le visage. Je vais tout simplement la brasser un petit peu. Puis... à chaque fois ça me fait ça. Ouais, ça sent la rose. Donc maintenant, j'attends que ça sèche, ça ne devrait pas être très long. Toutou! Toutou! Chat! Regarde la caméra! Regarde la caméra! Oh, qui mignon! Oh là! On peut dire que notre amour est pas réciproque. Donc, maintenant que c'est sèche, il me reste simplement à appliquer mon hydratant du soir. Donc, pour ma part, j'utilise la crème de renouvellement sans huile enrichie de minéraux d'Origins, une super de belle marque qu'on retrouve chez Sephora. Et je dois dire que j'adore vraiment là, cette crème-là. Depuis que je l'utilise, j'ai vraiment trouvé que ma peau se régénère mieux. Donc, je l'utilise tous les soirs. C'est pour l'utiliser comme crème de nuit. Par la suite, je viens hydrater mes yeux. Donc, j'utilise la neige, le masque de nuit pour les yeux. C'est vraiment le fun parce que c'est une petite bille ici qui a le produit dessus et tu vas simplement l'appliquer en dessous des yeux. Et après ça, je vais faire ça. Et la
dernière étape, et non la moindre, c'est mon baume pour les lèvres de nuit de la neige. Comme vous pouvez constater, j'ai presque fini de peau. Mais c'est parce que je l'utilise à chaque fois. C'est